troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, c'est l'Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient. Elle n'est pas faite encore celle-là. Victoire obligatoire aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille. Obviamente que hay una gran conexión con la mejoría y eso genera entusiasmo para tener un camino claro desde el proyecto futbolístico de Marsella desde nuestra llegada. Jorge tiene una filosofía que es muy clara. Nosotros llevamos 5 partidos solamente con él, pero yo creo que hay un cambio de idea, un cambio de imagen en cuanto al juego, en cuanto a la presión. Sa priorité, c'est de bien jouer au football. Et ouais. Ça fait plaisir, d'un côté à entendre. Ouais. Hein, on a envie de voir du spectacle avant tout quand on regarde des matchs de foot. Alors, on espère qu'on va se régaler et qu'on va bien avoir les 3 points. Hein. Obvio que va llevar un tiempo perfeccionarlo, pero en todos los entrenamientos estamos tratando de seguir la idea, de mejorarla, de verla cada vez más con más claridad para poder llevarla a cabo el día de los partidos. Así que espero que sigamos avanzando, mejorando para poder jugar de la forma que él quiere y que nosotros también queremos. C'est ô combien important de remporter ce match pour rester dans la course à cette 5e place. Les Lorientais qui sont à 4 contre 4 avec Mofi dans le dos de la défense pour Wissa. Oh, il y a Mofi, il n'y a pas d'enjeu pour Terem. Mofi ! Oh, le but de Terem Mofi ! Lorient mène 1-0. Le bon ballon de Payet vers la tête d'Arek Milik et ça n'est pas cadré. Super tacle de Lucas Perret pour une récupération de Paul Irola. Irola devant la surface de réparation pour Perrin, le centre de Perrin peut-être. La frappe de Perrin, elle passera au-dessus de la barre. C'est bien ça, c'est bien joué. Le bon ballon pour Thauvin. Thauvin pour Enrique. C'est pas fini avec Milik. Oh, la parade de Drieu. Oh, quelle occasion. Camara qui va chercher Milik. Allez, Arek Milik dans la surface de réparation, la tête. Payet ! Oh, quel but ! Le but, il est exceptionnel ! Laurent Bruet ! Oh, le bijou de Dimitri Payet ! Et Milik, c'est bien joué, flotte au V, il n'y a pas de hors-jeu. Ouais, ça c'est bien, c'est super pour les Roulards. Irola et le deuxième but de l'Olympique de Marseille avec la passe décisive de Florian Thauvin. Paul Irola, l'Espagnol de Marseille qui marque le deuxième but olympien, 3 minutes seulement après l'égalisation de Dimitri Payet. Des choses ont changé dans cette deuxième mi-temps. Petit décalage pour Thauvin à la talonnade. Oh, c'est bien joué. Le crochet pour Payet dans la surface. Oh, il a trop traîné. Oh, ils ont trop voulu, là, les Marseillais. Ouais. Attention, voilà. La frappe d'Enzo Lefebvre, l'arrêt de Stéphane Mandanda. Attention, accélération de Wissa. C'est comme ça qu'est venu le but en première mi-temps. Le contre. Attention, sur le côté droit, il y a Mofi dans la surface de réparation. Mofi, l'égalisation. L'égalisation de Lorient, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nouvelle fois, Terem Mofi. Encore une fois, le ballon est récupéré par les Marseillais avec Payet, le contre favorable. Ouh, ça part sur le côté droit avec Irola. Irola, la frappe. Troisième but, il va s'offrir un doublé, l'Espagnol. Mais oui, c'est le héros du match. Auteur d'un doublé, Paul
La verdad que estoy muy contento por marcar mis primeros goles en el OM, pero más contento por los tres puntos porque es un momento de la temporada que no podemos fallar y nada, contentísimo de que mis goles hayan ayudado al equipo. Allô les amis, pour vous abonner à notre chaîne, cliquez là et n'oubliez pas d'activer les clochettes.